Bonjour mes amis, aujourd'hui je vais vous présenter la recette de bánh ướt aux crevettes. Bánh ướt ça veut dire le bánh cuốn, rouleau, voilà, c'est pas presque rouleau printemps, mais ce n'est pas pareil. Mais je vais vous présenter. Tout d'abord, j'ai besoin de 1 kg de crevettes roses et un paquet de galettes de riz. Et salade indispensable. J'ajoute encore chou bouilli, mais faut pas trop bouilli. Et pour la sauce, j'ai utilisé une crevette, une tomate pour faire la sauce ketchup avec un œuf dur. Voilà. En même temps, j'ai préparé des beignets. Des crevettes aussi. Ça, c'est la sorte de la farine, c'est du blé et c'est du riz. Voilà, ça veut dire qu'il y a deux sortes de blé. Ça, c'est du riz. C'est la farine de riz. Comme ça, ok. Et maintenant, je vais ajouter de l'eau. Un tout petit peu bouillante. Je vais ajouter petit à petit. Je mélange. J'ajoute du sel, encore de l'eau. J'ajoute dans la farine, voilà, dans la pâte, un œuf. Et si vous aimez bien sucré, vous pouvez ajouter, voilà, un tout petit peu de sirop canne à sucre, si vous aimez bien un petit peu doux. Et maintenant, je vais mettre les œufs dedans. Et je laisse la pâte reposer un petit peu. En attendant, je prépare la galette de riz. Ça, c'est de l'eau ou bien le jus de légumes. Je vais faire cuire la galette de riz. Ensuite, je vais mettre dedans. Il faut laisser un petit peu. Et voilà, j'ai mis la feuille dans l'eau bouillante comme ça. Et c'est cuit. Et puis, j'ai mis dans l'assiette comme ça, couche par couche. Il faut mettre un petit peu de l'huile. Voilà, c'est comme ça. C'est cuit, hein. Et je vais commencer à rouler. Par exemple, j'ai mis du chou déjà bouilli, cuit à l'eau, après les salades. Après, c'est une crevette. Soit vous allez enlever la peau. Moi, je laisse comme ça parce que j'ai l'habitude de manger ça. Mais vous, ça veut dire que vous devez enlever. Ça, c'est pas pareil comme rouleau printemps parce que ça, c'est. La galette de riz, c'est cuit, c'est pas croquant comme voilà, je vais rouler.